réaménagement technique du gouvernement ce mardi. Un nouveau ministre auprès du Premier ministre chargé du budget a été nommé. Il a été également créé une haute autorité pour la bonne gouvernance. Et au titre de la présidence, le général de brigade Vangondo Diomandé est nommé chef d'état-major particulier du président de la République. Nous sommes le 19 novembre aujourd'hui. Pour la première fois, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale des toilettes. Selon l'ONU, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux toilettes. Et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en visite officielle en Chine depuis hier. Il a échangé avec les responsables du Parti communiste chinois au pouvoir, avec le président du comité de l'Assemblée parlementaire nationale et le vice-président de la République populaire de Chine. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Il y a eu un réaménagement technique du gouvernement aujourd'hui. Un nouveau ministre auprès du Premier ministre chargé du budget a été nommé. Son nom, Abdourahman Cissé. Il a été également créé une haute autorité pour la bonne gouvernance. Elle est présidée par René François Afing Kwasi. Et au titre de la présidence, le général de brigade Vangondo Diomandé est nommé chef d'état-major particulier du président de la République. Je vous invite à écouter le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à un réaménagement du gouvernement, à la nomination du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ainsi qu'à la nomination du chef d'état-major particulier du président de la République. Au titre du gouvernement, M. Daniel Kablan Duncan est nommé Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Nyalé Kaba est nommée ministre auprès du Premier ministre, chargée de l'Économie et des Finances. M. Abdourahman Cissé est nommé ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. René François Afing Kwasi est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec rang de président d'institution de la République. Au titre de la présidence de la République, le général de brigade Vangondo Diomandé est nommé chef d'état-major particulier du président de la République en remplacement du général de corps d'armée Michel Gueux, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Fait à Abidjan le 19 novembre 2013. Je vous remercie. Et notez que Abdourahman Cissé, nommé ministre du budget, est âgé de 32 ans, diplômé de l'École polytechnique de Paris, ingénieur en mathématiques appliquées, ingénieur de l'Institut français du pétrole, titulaire d'un master en pétrole de l'Université d'Oklahoma aux États-Unis. Il a été vice-président de la Banque d'investissement à Londres, de juillet à décembre 2012, conseiller à la présidence de la République, chargé des finances publiques. Depuis 2013, directeur du cabinet au ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Sa nomination confirme la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire la promotion de la jeunesse, du mérite et de l'excellence. À la présidence de la République, toujours l'audience du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, Joseph Ebagnérin, est allé remercier le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Viviane Aimé. Le bureau de l'UGTCI, conduit par le secrétaire général de la centrale syndicale, Joseph Ebagnérin, a sollicité cette nouvelle rencontre avec le président de la République pour exposer sur la situation des travailleurs et le niveau général des salaires eu égard au coût de la vie.
Le bureau de l'UGTCI a par ailleurs soumis au président de la République sa revendication d'une revalorisation du SMIG et du SMAG, respectivement le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti. Revendication qui a trouvé un écho favorable auprès du président de la République, qui a déjà inscrit dans son programme de gouvernement la revalorisation générale des salaires. Vous voyez, aujourd'hui, Abidjan est un chantier. Toute la Côte d'Ivoire bouge. Et c'est signe de développement, c'est signe d'engagement, c'est signe de promo économique. C'est cela que nous sommes venus adresser comme remerciement déjà à son Excellence, Monsieur le Président, mais retenir également que ses conseils à lui seraient pour nous très importants. Et nous pensons là avoir bénéficié d'appui et de conseils avisés. Alors pour les travailleurs, nous sommes dans un schéma. Le schéma de mieux-être au quotidien, le schéma d'avantage. Pour des fins de mois qui chantent. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses réalités. Vous savez qu'on a de grands chantiers, notamment sur le SMIG, sur le SMAG, mais qui sont des réalités au quotidien. Donc, souhaiter que nous puissions tous nous inscrire dans cette dynamique et que nous puissions, pour toutes les familles, avoir le minimum qui nous permette de gérer les problèmes de santé, d'éducation, de promotion de nos enfants. On reste à la présidence de la République où le chef de l'État s'est aussi entretenu avec la ministre française du commerce extérieur. Au menu des échanges, le nouvel accord de partenariat de commerce entre la France et les pays de la CEDEAO. On fait le point avec Viviane Aimée. C'est une offensive commerciale pour booster le volume des échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire que mène la ministre française du commerce extérieur, Nicole Bricq, en venant en Côte d'Ivoire à la tête d'une importante délégation comprenant une trentaine d'entreprises. Elle a été reçue au palais présidentiel ce mardi après-midi par le président de la République, Alassane Ouattara. La ministre française a eu avec le chef de l'État ivoirien un entretien sur la question importante de la signature du nouvel APE, accord sur un système de préférence généralisée en matière de commerce entre la France et les pays de la CEDEAO. De l'aveu de la ministre française, le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, tient à ce que tous les pays de la CEDEAO aillent à cette signature groupée et non dispersée. Nous avons parlé de ce que nous appelons la politique commerciale, à savoir la signature par la Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris, dans un contexte régional. Avec la CEDEAO d'un accord, d'un APE qui permet effectivement de passer le cap qu'a fixé la Commission européenne. Ceux qui n'auraient pas signé un APE de ne plus avoir un système de préférence généralisé en termes de droits de douane, ce qui pénaliserait à la fois les pays qui n'auraient pas signé cet APE. Cela étant, le président nous a dit qu'il ne voulait pas d'un accord intérimaire. Donc, cela veut dire que la France plaidera, bien sûr, mais j'en ai donné l'engagement de la France, pour avoir une flexibilité qui permette d'ajuster cette transition. La ministre française a également échangé avec le président de la République sur sa participation au sommet sur la sécurité qui sera organisé les 6 et 7 décembre prochains à Paris par le président François Hollande et sa participation à la rencontre économique qui aura lieu quelques jours avant, c'est-à-dire le 4 décembre prochain. Et la Côte d'Ivoire attire de plus en plus les opérateurs économiques. Des hommes d'affaires africains, européens et américains sont à Abidjan depuis dimanche. Ils sont en mission de prospection économique, nous dit Francis Poifou. Des échanges B2B entre opérateurs économiques européens et africains à Abidjan. C'est la première fois que le continent africain accueille cette convention d'affaires intercontinentale Africa-Europa. Abidjan a été choisi. Pourquoi ? Parce que c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Chacun veut faire affaire avec la Côte d'Ivoire. Les trois précédentes éditions se sont déroulées en France. Pour l'exemple du premier Africa Europa, 60% des entreprises qui étaient à l'Africa Europa ont eu des relations d'affaires avec d'autres entreprises africaines. Et 25% ont traité des marchés. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement en Côte d'Ivoire, il va y avoir entre ces entreprises européennes et ces entreprises ivoiriennes ou
d'autres pays qui sont effectivement autour de la Côte d'Ivoire, qui aient effectivement des relations d'affaires qui se fassent avec ces entreprises. Deux jours pour convaincre et explorer des opportunités d'affaires dans les pays africains. J'invite en particulier les entreprises françaises à œuvrer au rapprochement avec les acteurs économiques africains dans un contexte, je l'ai dit, concurrentiel, où les prétendants sont nombreux. En fournissant aux PME et aux PMI et aussi aux entreprises intermédiaires européennes une visibilité en Afrique. Des échanges B2B également entre des hommes d'affaires américains et ivoiriens dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Ces opérateurs américains sont en mission de prospection économique à Abidjan. We believe that there is a long history with our country. La situation est devenue plus transparente, la sécurité s'est améliorée. Et donc ça nous permet à nous, Américains, de pouvoir venir maintenant commencer à prospecter et voir ce qui peut être fait. Ces Américains interviennent dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, la gestion des ordures, l'énergie, les banques, le commerce, les infrastructures routières, la sécurité portuaire et aéroportuaire. Et la ministre française du commerce extérieur, en visite à Abidjan depuis hier, conduit une forte délégation d'hommes d'affaires français. Avec ses investisseurs, elle s'est rendue sur le chantier du troisième pont reliant la commune de Cocody à celle de Makori. Objectif de la visite, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes le 19 novembre aujourd'hui. Pour la première fois, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale des toilettes. L'accès aux latrines, c'est un sujet qui peut prêter à sourire. Pourtant, selon l'ONU, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes. Et les conséquences sont dévastatrices sur la santé publique et le développement. Voyons donc l'importance de cette journée avec Serge Kouléa. Pour la première fois dans le monde, une journée est consacrée aux toilettes, aux lieux d'aisance et d'hygiène. C'est une initiative de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Une journée mondiale des toilettes, l'information fait assurément sourire du fait de son caractère insolite. Ça me fait sourire un peu quand même, la journée mondiale des toilettes. Mais je veux dire qu'il y a quelque part derrière un petit sens quand même qu'il faut quand même encourager. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques, plus de 5 millions de personnes se soulage à ciel ouvert et cela parfois à tous les coins de rue. Le groupe scolaire de Plateau Sud dans la commune de Cocody est un cas typique d'absence de latrines et de toilettes dans l'environnement immédiat des populations. À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, le réseau ivoirien des journalistes pour l'eau potable y est allé faire le constat de l'absence d'infrastructures sanitaires. Dans ce groupe scolaire, élèves du préscolaire et du primaire n'ont pas vraiment le choix. Pour se soulager, pas besoin d'aller au petit coin. Cette école n'a pas de toilettes. Une école qui a plus de 13 classes et deux grands groupes scolaires, mais c'est impensable. Des tout petits, de la maternelle jusqu'au CM2, qui n'ont vraiment pas d'accès aux toilettes et qui n'ont pas de point d'eau, c'est un danger pour leur avenir. La Journée mondiale des toilettes vise à sensibiliser population et pouvoir public sur la nécessité d'avoir accès à des latrines et à des lieux d'aisance pour assouvir ses besoins les plus primaires. Pour l'ONU, au cours de cette célébration, il faut se souvenir de ces 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes dignes de ce nom dans le monde entier. 10 ministres de la Santé et de l'Espace CDAO se retrouvent demain à Abidjan pour partager leurs expériences sur la lutte contre le paludisme. Leur objectif, éradiquer la maladie dans les États africains. Avant ce rendez-vous, la ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, Raymond Goudou Kofi, a eu une séance de travail avec la directrice exécutive du Rollback Malaria, Fatoumata Traoré. Demain, mercredi 20 novembre, sera célébrée la Journée mondiale de l'enfant. La journée instituée par les Nations Unies vise à accorder une protection particulière à l'enfant, à promouvoir ses droits. La Côte d'Ivoire marquera cette journée. Le message du gouvernement ivoirien avec Sidonie Davila et Sylvie Touré. Placée sous le thème « Droit à l'expression et à la participation des enfants et des jeunes », la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant, cette année met en exergue le droit pour les enfants d'être entendus et associés à la prise de décision à tous égards et en tout ce qui les concerne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accorde une place prépondérante à l'enfant pour son développement et son progrès social, moral, culturel et économique.
pour améliorer sa participation à la marche de la nation, le gouvernement a récemment adopté une série de mesures. La signature d'un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire, les actions en faveur de la promotion de l'accès des enfants à la justice à travers l'installation des cliniques juridiques, la mise en place d'un numéro vert enfants en détresse accessible au 116 24 heures sur 24. L'élaboration d'un manuel de procédure de prise en charge multisectorielle des enfants victimes d'abus, de violences et d'exploitation au niveau local. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire car les droits ne sont réels que lorsqu'ils sont appliqués, a souligné la ministre Anne Ouloto, qui par ailleurs salue l'effort des partenaires au développement. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant, fait donc appel à l'engagement de tous pour l'épanouissement des enfants et pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et la célébration de la Journée nationale de la promotion de la santé bucco-dentaire se tiendra demain, mercredi 20 novembre à 10h à l'hôpital général Fouette-Poigny d'Abobo-Nord. Cette journée qui sera marquée par des consultations, des soins gratuits et des informations sur l'hygiène bucco-dentaire dans l'ensemble du cabinet dentaire sur toute l'étendue du territoire est placée sous la présidence de Mme Raymonde Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la Lutte contre le sida. Et la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le Gbeke et le Bélier se prépare. Voyons cette visite sur le terrain du directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement à Bouaké. La préfecture de région, la résidence du chef de l'État, celle du préfet, l'aéroport, l'université Alassane Ouattara et la voirie connaissent des travaux de réhabilitation. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Bennett, dont la structure effectue les opérations, vient de faire une visite de ces chantiers. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux inscrits dans le cadre de la visite du chef de l'État. À propos de la préfecture de région devant abriter le Conseil des ministres, le premier responsable du Bennett a voulu être rassurant. Le bâtiment sera prêt non seulement pour accueillir le Conseil des ministres, les bureaux du président de la République seront prêts. Et les bureaux des autorités seront également prêts. Mon inquiétude, c'est au niveau des infrastructures, parce que la cour de la préfecture doit recevoir évidemment un certain nombre de travaux de voirie, de bitumage. Au palais présidentiel, tout est fin prêt pour accueillir le président de la République. Les derniers réglages sont passés au peigne fin. Pour les autres travaux, selon le directeur du Bennett, le délai de livraison sera respecté. De façon donc générale, je crois que les chantiers avancent bien et que le jour J, l'essentiel sera achevé. Le directeur général du Bennett a au cours de cette visite de terrain échangé avec ses collaborateurs locaux. Un seul message, celui de tout mettre en œuvre pour proposer un travail irréprochable aux populations de Bouaké. Concernant la voirie, les travaux se dérouleront pendant et après la visite du chef de l'État dans le Gbeke. À l'initiative du sous-préfet central de Gagnoua, un centre de santé intégré et un château d'eau d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA ont été inaugurés. Parrain de la manifestation, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Kachi, se dit déterminé à améliorer partout en Côte d'Ivoire les conditions de vie des populations rurales. Jeunesse, vecteur de paix et de cohésion sociale au sein de la communauté villageoise, foncier rural et paix, deux conférences pour un cadre d'AOPA, village de la sous-préfecture de Gagnoua, situé à environ 18 km du chef-lieu de sous-préfecture. D'AOPA a concentré pour la circonstance baptisée Journée, Entente et Bonne Cohabitation. Les populations autochtones, allogènes, allochtones, jeunes, moins jeunes. Cette initiative est l'œuvre du sous-préfet central de Gagnoua, Trabikoué Jean-Brice. Il a convié le secrétaire général de la préfecture, le procureur de la République, le président du tribunal pour expliquer aux uns et aux autres la place de la jeunesse et de la bonne exploitation de la loi foncière avec au bout du compte une bonne cohabitation, donc préserver la paix sociale dans la communauté villageoise.
Les échanges entre populations et conférenciers ont permis de dissiper les malentendus, lever les équivoques, aplanir les incompréhensions. Les parties, communautés villageoises, autochtones du Zabia et singulièrement des Daopa, allochtones, allogènes, ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'entente et la bonne cohabitation, source de paix dans les villages du Zabia. Cette rencontre a été parrainée par Koudoukessi Amboise, fils de la région, par ailleurs opérateur économique. Le Zabia compte 16 villages et plus d'une trentaine de campements. Les villages sont répartis sur deux axes. L'un, Gagnoua Oumé, compte 10 villages et l'autre, Gagnoua Lakota, 6 villages. Et c'était dans cette journée de paix et de cohésion sociale avec Noël Nyanyo à Daopa, dans le département de Gagnoua. Le secrétariat départemental du RDR de la région du Béré a initié récemment un séminaire de formation à l'intention de ses secrétaires de section et des membres de ses structures spécialisées. Le séminaire vise la redynamisation du parti dans le Béré, nous dit Abou Sanogo. La vie du parti et la contribution de la région du Béré à la réélection du président Alassane Ouattara au centre d'un séminaire de formation à Mankono. Initiée par le secrétariat départemental du Rassemblement des Républicains, cette session de formation à l'intention des secrétaires de section et des membres des structures spécialisées vise à réfléchir à des stratégies, moyens et actions devant permettre de redynamiser le parti dans la région du Béré et renforcer les capacités de ses structures et de ses militants. C'est important dans la vie d'un parti de s'asseoir et de faire le bilan de ce qui s'est passé pour un départ nouveau. Il s'agissait pour nous de venir communiquer avec la base. Tous les secrétaires de section de la région du Béré ont répondu présent. Les élus ont répondu présent. Les cadres ont répondu présent. Je voudrais saluer les cadres du parti. Les participants saluent l'organisation d'un tel séminaire. Ce séminaire est bienvenu parce qu'il va permettre aux militants de base de recadrer les actions pour la réélection du président en 2015. La formation, on en a toujours besoin. Il faut toujours un recyclage. Tous les militants de base sont répartis, requinqués. Ce séminaire de formation s'inscrit dans le cadre de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains dans la région du Béré. Et sachez que les derniers Africains qualifiés pour le Mondial 2014 sont le Ghana et l'Algérie. Nous parlons toujours politique et cette fois-ci avec le FPI qui est en tournée de compassion et de remobilisation dans le Grand Ouest. Le président du Front populaire ivoirien a fait ce dimanche une escale à Bangolo. Léon Broupe, le reportage. Nous sommes FPI et nous resterons attachés aux idéaux de notre parti et de son fondateur, Laurent Gbagbo. Assurance des militants du Front populaire ivoirien de Bangolo à leur président. Pascal Afingessan salue cette fidélité. Il demande de la persévérance pour la reconquête du pouvoir d'État en 2015. Objectif, relever deux défis, l'un politique et l'autre économique. Les États généraux de la République. Et cette proposition concrète, nous souhaitons qu'elle soit saisie pour que nous allions à la réconciliation. Mais quand nous aurons fait tout cela, ce qui nous restera à faire, c'est les élections à venir, les élections de 2015. Pour deux raisons, nous ne devons pas rater les élections de 2015. Sur le retour ou la libération de ceux des militants du FPI encore en exil ou en détention, Pascal Afingessan rassure, c'est la priorité de la direction du parti. Il invite alors ses interlocuteurs à jouer leur partition, aller à la réconciliation. Autre sujet abordé au cours de ce rassemblement, le foncier rural, la nationalité, l'immigration, des questions que le président du FPI juge à l'origine de la crise qu'a connue le pays. La paix durable pour lui passe donc par la solution à ses problèmes et Pascal Afingessan indique que le chemin pour y arriver, c'est le dialogue politique, cadre d'échange entre l'opposition et le gouvernement sur les grands sujets nationaux. Et nouveau, l'annonçons dans les titres, le président de l'Assemblée nationale est en visite officielle en Chine depuis hier. Soro Guillaume a échangé avec les responsables du Parti communiste chinois au pouvoir, avec le président du comité de l'Assemblée parlementaire nationale et le vice-président de la République populaire de Chine. Se référer à un modèle et prendre exemple sur ses expériences réussies et s'en inspirer. Un geste simple qui a pour mérite de grandir. Cela, Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, l'a compris.
Il est depuis ce lundi en visite officielle en République populaire de Chine. Et pour un modèle, ce vaste pays d'Asie de l'Est l'est à bien des égards. Première destination, Pékin ou Beijing depuis les JO de 2008. Ici, il y a de quoi attirer les regards. Les Chinois ont su allier grandeur et propreté. C'est au siège du Parti communiste chinois qu'a démarré cette visite. Ce parti au pouvoir depuis 1949, fondé il y a près de 90 ans, compte à ce jour plus de 66 millions d'adhérents. Ici, la délégation de parlementaires conduite par son président s'est entretenue avec les autorités du siège du parti. Elle a été instruite sur le fonctionnement de l'école centrale du Parti communiste, considérée comme l'ENA chinois. Après la visite du centre d'exposition des produits innovés à Zhongguan Kun, c'est le centre de recherche d'une société étatique spécialisée en TIC qui a ouvert ses portes aux Ivoiriens. Puis, comme pour marquer la journée, c'est au Grand Palais du Peuple, l'équivalent de notre Assemblée nationale, cet imposant bâtiment d'une superficie de 150 000 m² que sont attendus Soro Guillaume et ses députés. À l'entrée, Zhang Dejiang, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Le temps d'un entretien officiel entre les deux personnalités, d'une visite du propriétaire, puis la délégation peut repartir pour un repos mérité. Ce mardi, Soro Guillaume est reçu par Li Yuanchao, le vice-président de la République populaire de Chine. Et c'était le reportage de notre envoyé spécial en Chine, Hamza Diaby. À présent, ce communiqué relatif au retour des exilés militaires et paramilitaires. Par communiqué en date du mardi 1er octobre 2013, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, lançait un dernier appel pour le retour des exilés militaires et paramilitaires avec pour délai de rigueur le 30 novembre 2013. Le président de la République rappelle que la date butoir du 30 novembre 2013 est maintenue et que passé ce délai, la désertion sera constatée et les mesures réglementaires appliquées, notamment la radiation des effectifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des forces paramilitaires. RTI 1 reçoit aujourd'hui la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Goudou Kofi sera interrogé par Victorien Ngoua et trois autres confrères. Bonsoir Victorien. Bonsoir Marie-Laure. Donc pris à 20 Alors, bonsoir mesdames et messieurs. La santé pour tous est-elle possible? C'est le thème de la rencontre de ce soir. Invité, Madame Raymond Goudou Kofi, elle est ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Avec elle, nous allons développer trois thématiques, les états des lieux, la gratuité ciblée, les indicateurs de santé et les réformes. Ces trois thématiques seront développées avec trois confrères, Delphine Mboula de RTI 1, Nesmond Delors de Nord-Sud et Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire. Nous invitons les téléspectateurs à participer à l'émission et c'est au 22 40 12 58. Rendez-vous est donc pris à 21h précise. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais avant de nous séparer, sachez qu'il y a eu un réaménagement technique du gouvernement aujourd'hui. Un nouveau ministre auprès du Premier ministre chargé du budget a été nommé. Son nom, Abdourahmane Cissé. Il a également créé une haute autorité pour la bonne gouvernance. Elle est présidée par René-François Afing Kouassi. Et au titre de la présidence de la République, le général de brigade Vagondo Diomandé est nommé chef d'état-major particulier du président de la République. Merci de votre attention. Prenez surtout rendez-vous avec RTI 1 Reçoit. C'est tout à l'heure à partir de 21h.